président de la République, chef de l'État. Université Pichat, c'est qui va se voir, comme Université Pichat, c'est qui va se voir, le dégument belle ça, 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 le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et le représentant des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les responsables et techniciens du ministère de l'Énergie, Monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena, Monsieur le maire de la ville d'N'Djamena, Sa Majesté le Sultan des Gaoui, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Sous le haut patronage du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, la présente cérémonie marque la pose de la première pierre de construction de deux centrales solaires photovoltaïques au quartier Gaoui. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dans cette cérémonie démontre à suffisance l'importance qu'il accorde au développement des zones périphériques de la capitale et traduit également la volonté ferme des plus hautes autorités de la République et celle du gouvernement de relever en tout lieu et en toutes circonstances les défis énergétiques dont le Tchad souffre depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici comment se présente l'ossature de notre programme. D'abord, le mot de bienvenue du maire de la ville d'N'Djamena qui sera suivi d'une présentation technique des centrales et ensuite il y aura une intervention de la société Merle Solar et après nous aurons l'allocution du ministre de l'énergie et enfin qu'il nous soit permis d'inviter le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de procéder à la pose de la première pierre de construction des deux centrales solaires photovoltaïques. Nous invitons le maire de la ville d'N'Djamena, M. Omar Boukar, à prononcer son mot de bienvenue. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de la population de la ville de N'Djamena pour vous souhaiter très respectueusement la chaleureuse et cordiale bienvenue au quartier Gaoui, site historique de Sao, à l'occasion de la cérémonie de pose la première pierre de construction de deux centrales solaires photovoltaïques. La population de N'Djamena est très émerveillée et comblée de joie de la construction de ces deux centrales qui viennent s'ajouter aux nombreuses infrastructures réalisées par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, au bénéfice de ses concitoyens et concitoyennes. À cet effet, qu'il me soit permis d'exprimer au nom de toute la population djaménoise, nos sincères remerciements
et nos vives reconnaissances au maréchal du Tchad d'avoir choisi la ville de N'Djamena pour cette cérémonie qui s'inscrit en lettres d'or dans les annales de notre cité capitale. Maréchal du Tchad, distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, N'Djamena, notre capitale cosmopolite, ne cesse de s'agrandir quotidiennement et sa population est en perpétuelle augmentation. Cette extension de la ville et sa croissance démographique nécessitent certainement un apport en énergie électrique pour satisfaire les besoins de différents ménages et permettre aux entreprises de fonctionner en plein temps pour le développement économique de notre pays. C'est pourquoi la construction de ces centrales solaires photovoltaïques, placées au premier rang des préoccupations du maréchal du Tchad, permettra, je suis convaincu, d'apporter une solution alternative aux problèmes récurrents d'électricité à un coût accessible à toutes les couches sociales ainsi qu'aux entreprises. De même, cette énergie supplémentaire de 100 MW qui viendra renforcer les efforts de la société tchadienne d'électricité contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de vie de la population et fera de N'Djamena une ville éclairée et agréable. Ainsi donc, par ma voix, la population de N'Djamena dit merci, grand merci et mille fois merci au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. Nous invitons à présent Monsieur Mamadou Diallo, représentant en Afrique de la société Warmer, à nous présenter techniquement les deux centrales photovoltaïques. Excellences, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, j'ai l'insigne honneur de vous faire une présentation de la société Merle et du projet de deux centrales d'une puissance totale de 100 MW. Cette centrale d'une puissance totale de 100 MW sera construite à Gawi et nous allons utiliser 308 000 modules photovoltaïques monocristallines d'une puissance de 325 watts pic et 896 pièces d'inverteur de chaîne ABB d'une puissance de 120 kW et 34 transformateurs de 33 kVA. Deux pièces stations de livraison avec compteur et deux pièces de transformateur 90 kVA. Nous allons utiliser 600 emplois directs et indirects pour la construction de ces deux centrales de 50 MW chacune. Et la durée de construction sera de 12 mois, avec une prévision de production de 93% de disponibilité pour une durée de 20 ans. Voilà, de manière ramassée, la présentation technique du projet. Permettez-moi, Excellence, le maréchal du Tchad, de remercier tous les distingués invités pour votre aimable attention. Merci. Nous invitons à présent M. Hans Merle, directeur général de la société Merle Solar, à présenter son intervention. Donc son intervention sera présentée en anglais et à une autre personne qui assurera la traduction en langue française. Marshal of Tchad, Déby Itno, President of the Republic, Head of State. Merle Solar Technology est une filiale internationale de l'entreprise autrichienne Electromerle, qui a été fondée en 1928 et dans la spécialité et l'installation électrique.
Elle est orientée désormais vers les énergies renouvelables telles que l'énergie photovoltaïque, la biomasse et la valorisation énergétique de déchets. La société a une excellente expérience dans la planification et la fourniture de projets d'énergie renouvelable en Afrique, notamment au Sénégal, en Tanzanie, en Égypte, tels que l'électrification rurale avec des mini-réseaux photovoltaïques et lampadaires photovoltaïques, des centrales solaires photovoltaïques et des projets biomasse. Notre culture d'entreprise se caractérise par notre capacité à nous adapter rapidement aux besoins et aux exigences de nos clients. Depuis nos modestes débuts en 1928 jusqu'à aujourd'hui, notre addition d'ingéniosité nous a permis d'améliorer sans cesse notre mode de fonctionnement et de poursuivre sans relâche notre croissance, notre expansion et de construire notre succès. Ayant fait nos preuves, nous pouvons dire que l'État du Tchad, à travers le ministère de l'Énergie, sous la houlette de Madame le Ministre, par ailleurs, une négociatrice très dure et experte a fait un choix judicieux dans la résolution des problèmes énergétiques avec ce projet estimé à plus de 167 millions d'euros. Nous tenons également à remercier notre partenaire, M. Yahya Hassan Haroun, qui nous a accompagnés depuis le développement de ce projet en janvier dernier. Ainsi aussi, nous, au-delà des deux centrales de 50 MW, réalisant un total de 100 MW, nous prenons également en charge la construction des sous-stations et la construction d'une ligne de haute tension de 10 km dans le projet de la SNE pour un montant de plus de 12 millions. Cette ambition projet devait initialement être exécutée en 24 mois, mais face aux capacités de négociation de Madame le Ministre, nous avons la ferme volonté de l'exécuter en 12 mois conformément à nos engagements. Excellence Maréchal du Tchad, au nom du groupe Merle, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Let me also thank the members of the government to honor us with their presence. Thank you. Permettez-moi de remercier également les membres du gouvernement qui ont voulu nous honorer de leur présence. Merci. Nous invitons à présent la ministre de l'Énergie, Dr Rahmatou Mohamed Outouine, à présenter son allocution. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, je voudrais en cette occasion exceptionnelle vous adresser mes chaleureuses salutations et mes remerciements pour votre remarquable présence malgré vos agendas chargés. En effet, nous sommes réunis ce matin pour procéder à la pose de la première pierre de construction de deux centrales solaires de 50 MW chacune avec un système de stockage de 10 MW ampère-heure sur le site de Gawi. Ce projet, notons-le, est entièrement financé par la société Merle Technology, société de droit autrichien qui utilise une technologie allemande. Maréchal du Tchad, je vous adresse mes sincères félicitations et remerciements pour votre vision éclairée qui a conduit à la création d'un département ministériel dédié spécifiquement à l'énergie. Vous ne vous êtes pas arrêté là, Maréchal du Tchad. Soucié de résoudre le problème énergétique au Tchad, vous m'avez instruite à travers des orientations claires de travailler dans le sens d'obtenir des résultats tangibles pour rendre l'électricité accessible et à moindre coût à la population tchadienne, de travailler sur des projets fiables et bancables pour renforcer la production de l'énergie électrique et enfin de ne pas décevoir la confiance placée en ma modeste personne en tant que femme et ensuite jeune cible au centre de votre politique pour l'émergence du Tchad. Maréchal du Tchad, ces instructions ont été depuis les 4 mois et 7 jours de ma présence à la tête de ce département un stimulant pour toutes les actions entreprises.
Forte de ce soutien, j'ai rencontré de nombreux investisseurs, autant pour moi, avec lesquels nous avons eu des discussions fructueuses, et le projet dont vous procéderez tout à l'heure à la pose de la première pierre est la première résultante. Aussi, faut-il noter que la défiscalisation des équipements solaires et la libéralisation du secteur de l'énergie par la promulgation de la loi 036/PR/2019 relative au secteur de l'énergie sont des actions fortes que vous avez prises pour rendre le Tchad attractif aux investisseurs qui frappent de plus en plus à nos portes. Maréchal du Tchad, mesdames et messieurs, la réalisation de ce projet solaire de grande envergure d'ici 12 mois constituera une première étape d'un vaste et ambitieux programme de mise en œuvre de notre plan d'urgence d'accès à l'électricité. Elle marquera le départ du mix énergétique au Tchad avec une puissance additionnelle de 100 MW qui s'ajoutera aux 70 MW actuels de la Société nationale d'électricité et les 75 MW qui sont en réhabilitation et en cours. Cela permettra sans doute de résorber la difficulté d'accès des populations de la ville de N'Djamena à l'électricité. Par ailleurs, comme l'avait mentionné le représentant Afrique de Merle, la construction de cette centrale permettra de créer plus de 600 emplois directs et indirects. Et elle présente de nombreux avantages, dont la création d'un centre de formation professionnelle en énergie. Nous savons tous qu'il est important de renforcer la capacité de nos techniciens et ingénieurs dans ce domaine. Il y a aussi la formation des jeunes bacheliers dans le domaine de l'ingénierie. Et Maréchal du Tchad, à ce niveau, je voudrais vous rassurer qu'il y aura des femmes parmi ces jeunes ingénieurs qui seront formés. Il y a aussi la réalisation des œuvres sociales dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises conformément à la politique sociale du Maréchal du Tchad. Nous nous sommes assurés que nos partenaires ne fassent pas seulement du business, mais qu'il y ait aussi de la responsabilité sociale. Et enfin, à travers ce projet, nous allons désengorger notre système de transport en construisant une ligne de haute tension de 10 km et la construction d'une sous-station ici même à Gaoui. Ceci permettra à d'autres partenaires aussi, juste avec un petit effort, de se connecter de Gaoui à notre boucle de 90. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, distingués invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre de ce projet permettra de franchir un pas important dans le domaine de la production de l'énergie au Tchad et surtout en N'Djamena. Toutefois, des défis restent à relever dans le domaine du transport, de la distribution et de la commercialisation. Je voudrais vous rassurer que le ministère de l'Énergie, que j'ai l'insigne honneur de diriger, avec l'appui du maréchal du Tchad, travaille pour apporter des réponses idoines à ces défis. Je voudrais donc, une fois de plus, du fond du cœur, remercier le maréchal du Tchad pour son soutien à la réalisation de cet important projet. Je ne saurais passer sous silence mes collaborateurs du ministère qui ont travaillé sans relâche dans tout le processus de négociation, d'élaboration des documents techniques, juridiques et financiers. Aussi, j'adresse ma reconnaissance à toute l'équipe et aux bonnes volontés qui ont permis la réalisation de ce projet. Enfin, je remercie solennellement
les responsables de la société Merl Solar Technology pour leur ferme volonté à investir dans notre cher pays, le Tchad. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il me soit permis d'inviter à présent le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de procéder à la pose de la première pierre de construction des deux centrales solaires photovoltaïques. Mais avant d'inviter le maréchal, nous invitons les personnalités ici après de venir accompagner le maréchal pour la pose de la première pierre. Oui, c'est sur 10 km. Nous allons bâtir la ligne haute tension de 10 km qui va quitter ici, par exemple, la sous-station pour venir sur la boucle 90 pour pouvoir nous injecter. Voilà en image ce que représente le projet. De manière technique, voilà les détails techniques. Deux centrales, 50 MW, 50 MW avec tout le système nécessaire. Bravo. Merci beaucoup. Son Excellence Marshal Tchad,
voudrais d'abord dire que c'est avec une très grande joie que je viens de poser la première pierre de la construction de deux centrales solaires totalisant 100 MW à mon pays. Pour vous rappeler que nous venons de très loin, en 1990, pour l'ensemble du Tchad, l'ensemble, je dis bien du Tchad, toutes les villes qui disent, en fait, disons, électrifiées, on avait un total autour de 11 MW. Donc, N'Djamena avait autour de 8 MW. La ville a grandi et nous avons bien sûr des objectifs et une vision pour le développement du Tchad. Nous ne pouvons atteindre ces objectifs sans énergie. L'autre élément important, nous sommes un des rares pays où le taux d'accès à l'énergie est le plus faible. Je donnerai les chiffres, c'est autour de 7% des populations qui ont accès à l'énergie, en fait. Avec la construction de cette centrale de 100 MW, vous aurez dans 12 mois fait sortir la ville de N'Djamena des pénombres. Éclairer bien sûr la ville et ses environs aussi. C'est une première phase d'un grand projet que nous nourrissons depuis des années. C'est une opportunité qui s'offre à nous. Ça, nous sommes en Afrique, dans le Sahel. Vous avez 363 jours par an, du soleil en permanence. C'est une chance extraordinaire. Et donc nous allons diversifier les investissements dans le domaine de l'énergie propre, solaire et éolienne, dans les deux cas, sur l'ensemble du territoire, je pense que nous allons faire. C'est une option laquelle je pense que nous allons nous parler. Je voudrais saluer nos partenaires, la société qui vient donc nous accompagner en investissant ses propres ressources dans notre pays pour éclairer la ville de N'Djamena et pour éclairer le Tchad aussi. Saluer le rôle important que les techniciens et les ministères de l'énergie ont joué pour en arriver aujourd'hui à la concrétisation d'un projet qui date de plus de 20 ans. Donc c'est quand même une phase importante que nous amorçons. J'espère de tout cœur que la priorité étant l'énergie. Sans l'énergie, nous ne pourrons pas parler du développement, nous ne pourrons pas parler de l'émergence. Et nous ne pouvons même pas parler de la lutte contre la pauvreté. Donc cette opportunité, nous allons la saisir et nous allons aussi avoir d'autres partenaires qui vont venir s'installer, puisque c'est un secteur qu'on a ouvert. Maintenant, ce n'est plus affaire simplement du gouvernement ou de la société du Tchad, mais tout privé, producteur, n'est-ce pas, peut venir s'installer, construire, produire et distribuer, n'est-ce pas, à ses comptes. Il peut le faire. Nous avons défiscalisé tout ce qui est produit, qui accompagne des projets du genre. Voilà donc, cela dit,
souhaite de tout cœur que tout se passe bien et que dans 12 mois, nous aurions donc déjà non seulement terminé cette phase, mais passé à d'autres phases aussi entre-temps. J'encourage le ministre de continuer, pas seulement pour la ville de N'Djamena, mais pour toutes les grandes villes, en fait, disons, du Tchad, ont besoin d'une énergie. Rien ne se fait sans l'énergie. Voilà, donc toute ma satisfaction sur cette cérémonie qui a une signification profonde et qui donne de l'espoir quotidien de sortir des pénombres et avoir accès à l'électricité à moindre coût. Assez. Merci. Avec l'impression du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, avec la presse, prend fin le programme de notre cérémonie. Oh, peuple tchadien, il nous faut la paix. Unissons-nous ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Faisons la paix des braves et construisons ensemble notre beau pays. Berceau de l'humanité, pays de tout maille. Assurons un meilleur avenir à nos enfants sans esprit de vengeance. Nous sommes tous coupables du passé, mais tournons la page. Un adversaire politique n'est pas un ennemi, non, 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 non. Mais un concitoyen et à des idées.